Birds flying high. Mais Piano Man 2, c'est vraiment la suite logique du premier. Tu sais, on a fait un vox pop partout dans le Québec, puis les gens, c'était unanime. C'est le meilleur show qu'ils avaient vu. Donc moi, ça met la barre haute. Non, mais je fais des blagues, mais pour vrai, c'est vraiment la suite logique de tout ce que les gens ont aimé dans le premier. C'est-à-dire, il y avait des moments flamboyants, des chansons touchantes. Évidemment, tout est rattaché au piano, parce que moi, c'est toute ma vie, c'est l'instrument que je préfère. Bon, j'ajoute un piano. J'ai refait faire deux nouveaux pianos pour cette tournée-là. J'ai la même belle gang. J'ai Toyo à la direction musicale, Frédéric Beauséjour à la basse, Gordon Wood à la batterie, ma belle femme Manon Séguin, qui est une chanteuse incroyable, qui chante aussi sur ma tournée. J'ai ajouté beaucoup, beaucoup d'humour dans ce spectacle-là. Beaucoup d'imitations. Et là, ben, je suis justement en train de prendre du coaching avec Pierre Verville, puis je suis en train de placer toutes sortes de voix, puis toutes sortes de personnages aussi, parce que je me suis aperçu que les imitations, ça amenait des tableaux beaucoup plus forts pour les gens. Alors, il y a beaucoup plus de répertoire francophone, mais c'est sûr qu'il va y avoir encore du Elton John, Billy Joel, et ben, des grands moments. Mais c'est un show qu'on est en train de monter, puis je suis fier, puis j'ai hâte en tabarouette de venir vous le présenter. Dépendamment des régions, il y a des gens qui me disaient « Pourquoi tu fais pas telle chanson de ton répertoire, telle autre chanson? » Puis là, je suis rendu à peu près à peut-être 9 singles radio. Fait que c'est sûr que je vais ajouter un numéro de mes chansons, puis aussi de mon nouvel album « Cara » qui sort là, présentement. Donc, ben voilà. Oui, il va y avoir du répertoire original, c'est sûr. Si j'ai hâte de retrouver le public de Drummondville, bien, maison, Colin! Non seulement c'est un endroit de privilège pour les artistes, c'est une des plus belles salles au Québec, mais c'est un public qui nous donne le plus d'énergie, ça c'est sûr et certain. Ben, je suis très, très amoureux de cette ville-là, puis très, très hâte de revenir ici, en fait. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life.